Bonjour mes petits viseurs, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez peut-être entendre, je ne suis pas encore rétablie à 100%. Mais c'est un peu normal. Là, logiquement, je vais vous faire un vlog de la semaine passée à cette semaine-ci. Vous le mettre, enfin, le couper le jeudi et vous le monter vendredi pour vous le mettre samedi. Mais la semaine passée, ça a été assez... Une journée assez dure. Vous voyez, je suis fatiguée, j'ai des cernes à mes yeux. La fatigue est présente. Et du coup, je vais vous parler de ça. Du coup, le week-end passé, de vendredi à dimanche, on a été à la Comic-Con à Bruxelles. Ça s'est bien passé. J'ai dormi à l'hôtel avec nos amis et les enfants. Voilà, état de fatigue. Et on a eu les enfants. Et puis, j'ai eu les enfants la semaine. Du coup, voilà, j'ai eu la petite du dimanche soir à mercredi 3-4 heures. Et j'ai repris le gamin mercredi 3-4 heures jusque hier soir. Il est resté avec nous. Voilà, je suis fatiguée. Enfin, lui, c'est plus facile parce que la petite, elle a 7 ans. Lui, il va sur 15 ans. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour gérer un... Enfin, oui et non. Voilà, parce que c'est un gamin de 15 ans qui commence à essayer de devenir un homme et un adulte. Voilà, mais pas toujours dans le bon sens. Mais voilà, on va pas en parler ici. Voilà, et c'est... Il est plus facile à gérer... Je parle côté se débrouiller, se servir à manger, boire un coup. Voilà. Il est plus... Il faut plus toujours être sur son dos parce qu'il fait toujours n'importe quoi. Voilà. C'était encore un enfant quand même. Hein. Voilà. Et aussi la façon de dormir, il gère tout seul. Je dis à une telle heure coucher et s'il est pas, et s'il dort pas, ben ça c'est son problème. Voilà. Enfin, soit. Du coup, je suis fatiguée. Je rattrape un gros rhume. J'espère de vite le partir parce que logiquement, on devrait aller chez la grand-mère de mon chéri la semaine prochaine. Mais j'ai pas envie de lui donner un rhume quoi. Voilà. Et ici, on a dû laisser les portes ouvertes. Du coup, on a eu courant d'air même s'il a pas fait trop mauvais. Mais le froid était là, et puis on rentrait, on sortait, voilà, à chercher à manger, c'était dehors, puis à un moment, on sortait prendre l'air un petit peu, du coup, voilà. Du coup, le rhume est revenu, il n'est pas guéri à 100%, du coup, on va le combattre ici, on va bien combattre, et voilà. Et sur ce, sur le peu de temps que je vous ai pas pris, j'ai quand même reçu des trucs, bon, ça, je les ai ouverts. J'en ai encore un, il y avait encore un livre, mais je ne sais pas le prendre là. Et ça, c'est arrivé hier que je n'ai pas déballé. Enfin, je viens d'aller chercher chez ma voisine. Voilà, ça, c'est arrivé début de semaine passée. Enfin, non, ça, c'est arrivé vendredi. Ça, c'est arrivé de la semaine. Et ça, c'est arrivé hier que ma voisine a récupéré. Je sais c'est quoi et je suis trop contente. Parce qu'il est arrivé plus tôt que je pensais. Mais là, s'il est pas en... J'ai commandé en Arbac. Oh, putain. J'ai commandé en Arbac. Du coup, voilà ce que j'ai commandé. Que j'ai toujours pas commandé. J'ai pas commencé, mais c'est pas grave. Il est abîmé. Voilà. Il est trop beau. Pourtant, j'ai commandé en Arbac. Je suis sûre que j'ai commandé en Arbac. Amazon. Et comme maintenant, il livre le dimanche... Voilà. Ah oui, il y avait encore celui-là, vous montrez. Je vais le choper. Il faut que je vous le chope. Ça, non, il va arriver aujourd'hui. Enfin, c'est pas pour vous, ça. Je peux pas le montrer maintenant. Il est où? Tout ça, je vous ai déjà montré. Parce que ça fait un temps, je l'ai précommandé, en fait, en avance. Et du coup, je le retrouve plus. Je commande en quoi? En brochet. Non, alors c'est exact. Je pensais que je l'avais pris en Arbac.
Enfin, soit, voilà, un palais de flammes et d'oranges de la Massinière Fiction de Sarah J. Maas. Il est trop beau. Voilà, il faut vraiment que je commence. Il y a plusieurs tomes, mais j'ai le tome 1, j'ai le tome 3.5 et j'ai le tome 4. Voilà, j'ai pas lu. Du coup, il me faut que je me procure tome 2 et tome 3. Que je vais faire ça d'ici peu, l'année prochaine. Je vais essayer de lire. Il est tout abîmé, je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment tordu. Là, il a pris un coup. Là, il a pris un coup. Il a. Bon, on va faire avec. Du coup, je vous en parle pas trop. Je vais pas lire la quatrième de couverture. Je les ai pas encore commencés. Voilà, mais il me le fallait parce qu'au début, je pensais que c'était en hardback. Parce que je voulais reprendre tout en hardback. Mais enfin, soit, c'est pas grave. Du coup, on va commencer par les autres que j'ai eu la semaine passée. Du coup, j'ai eu. Me demandez pas de lire le nom parce que voilà, avec mon nez, et, il est trop beau. J'ai trop envie de le lire. du coup, c'est de Thaï. J'ai des livres de cette autrice. Mais même l'autrice. Voilà. C'est chez Hugo dans la collection Nous Romans. Il y a une petite abeille sur le début de chapitre. Et c'est une comédie romantique. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà lu et j'ai vu des avis positifs. Ouais, pas de. J'ai pas vu de négatif. Du coup, je vais vous parler de la quatrième de couverture. Je suis désolée si je bégayais un peu avec ma gorge. Par contre, j'ai pas pris à boire avec moi. Du coup, j'espère que ça va aller. Depuis quelques mois, Henri n'est plus qu'à l'ombre de lui-même. Gardienne, il se. Gardien. Non, gendarme. Je suis fatiguée. Gendarme, virgule, il s'assure, s'entraîne ses gardes de nuit dans le petit village du nord de Paris, juste à ce qu'il disparut, résusté dans une vie avec Perle et Fracas. Comment Jeanne Marcigny a-t-elle pu être Clairassée, morte et enterrée dans les années plus tôt, lorsqu'elle se tient face à lui? Et comment peut-elle être aussi irrésistiblement insupportable? Jeanne est bien vivante, plus que ça même, plus que ça, virgule, même point, elle est la reine des abeilles. Cette Instagrammeuse star qui enchaîne plaintement des produits de soirée VIP, coupe de champagne, des toasts de caviar. Si son sourire est toujours Insta face à l'objectif, ou off en réalité, au moins résuscité, Jeanne fuit son passé, les problèmes d'amour. Voilà. Problème d'amour en 4 ans. Voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre quand même, mais ça me tente bien. Voilà, un peu quelqu'un qui est décédé, qui ressuscite, pourquoi pas. Voilà, et le plus beau que j'avais trop envie de vous montrer avant tout le monde, mais je suis ratée là. On va mettre ça par là. Je suis ratée parce que j'ai pas su filmer et ça m'ennuie beaucoup de pas vous montrer avant. Ta-la-la! C'est une pépite. Du coup, c'est Le sang et le cendre de Jennifer Alamantrout. J'espère que je le prononce bien. Il est trop beau. Celui-ci, c'est un toc-toc. Pour une fois, je peux avoir un toc-toc. Du coup, je vous montre. Il est trop beau. J'espère que vous voyez bien avec cette lumière. Je vous montre. J'essaie de vous mettre à l'endroit quand même.
Voilà, et derrière il est tout noir. Voilà. Bon, celui-ci, je ne vais pas vous parler trop du résumé parce que celui-ci, j'ai vraiment envie de me plonger. Parce que regardez le résumé, j'ai l'impression que ça va être énorme. J'ai entendu plein de choses sur ce livre parce qu'il y en a beaucoup qui ont, dès qu'il est arrivé, ils se sont plongés dedans et ils ont abandonné la lecture qu'ils étaient dedans. Voilà, ici, sur la. Là, c'est marqué. Une pucelle et une pucelle, un devoir de royaume. Même Et ici, c'était deux Saxus. Voilà. Mais je pense que je vais essayer de me les recommander, les deux Saxus. Enfin, quand je l'aurai lu, ici. Mais ils sont trop beaux en hardback. Voilà. Pour ça, je vous ai montré les. Et l'autre que j'ai commandé, c'est un Twistletail. C'est où? Attendez, il est coincé là-bas du coup. Où est la vraie vie? Où est la vraie vie? Et c'était de réponse. En faisant le montage, je vous le mettrai là, la couverture du bouquin. Voilà. Où est la belle vie? C'est de réponse et un Twistletail. Je l'ai coincé parce qu'en fait, j'ai dû ranger. J'ai tous mes bouquins qui sont pétés la gueule. Du coup, j'ai dû les ranger et je les ai mis tous ensemble en fait. Et en même temps, je vais vous parler du bouquin que j'ai commencé, mais vraiment commencé, parce que je suis que à 46 pages. J'ai recommencé. Samedi, j'ai essayé, j'ai lu trois lignes. Et hier, j'ai voulu lire, j'ai lu une ligne. Du coup, j'ai laissé tomber. Je me dis, je recommencerai cette semaine, tranquille, chez moi. Tant pis si ma pal, je ne la finis pas. Je me dis, voilà, j'ai déjà pas fini celle du mois de octobre. Ça me fait chier. Enfin, poli, ça m'ennuie. Mais voilà. Puis la semaine passée, je n'ai pas lu du tout parce que j'avais la petite. Enfin, du lundi. Ouais, du lundi au mercredi, j'ai pas lu. Puis j'ai eu le gamin, je n'ai pas lu non plus parce qu'on a fait. Vous allez voir un autre changement aussi avec le gamin. On a fait mon intro. Je trouve ça trop beau. Vous allez la voir pour cette vidéo déjà. Logiquement, vous le verrez avant que je parle. Du coup, c'est trop. Et j'ai commencé Rose éternelle de Ophélie Duchemin dans la collection. Enfin, collection. Dans la. Chez Plume Blanche, voilà, l'édition Plume Blanche, voilà. Pour moi, j'ai lu que 46 pages. Mais si je vous dis que je ne sais plus de quoi ça parle, vous me croyez? N'attends pas bien. D'attendre voir les enfants et d'avoir lu avant d'avoir les enfants, la semaine après, je ne sais plus du tout. Du coup, il faut que je me mouche. Il faut que je me remette dedans. Voilà. À fond, à fond, à fond. Mais j'ai du boulot aujourd'hui. Je vais tourner au moins deux machines. J'ai une grosse vaisselle à faire. Parce que samedi et dimanche, j'ai pas fait de vaisselle. Voilà. Du coup, j'ai une grosse vaisselle à faire. Enfin, manger tout ce qui est assiette, il n'y a pas. Parce qu'on a mangé. On a mangé ailleurs. Du coup, même vendredi, on n'a même mangé pas ici. Vendredi, on a mangé l'os tacos. Samedi, on était chercher des sauts de poulet Kinders. Ouais, c'est des Kinders. Ouais, je crois que c'est ça. Et bah, hier, j'ai remangé les restes du vendredi parce qu'il me restait un Los Tacos presque complet. Du coup, voilà, j'ai mangé ça. Monsieur, il a rien mangé, il avait pas faim. Du coup, voilà. Et j'ai même pas tout mangé encore. Voilà. J'ai mangé qu'une crêpe hier sur la journée. Une crêpe au chocolat que mon papa m'a offert. C'est tout. Tout, 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 tout. Je suis morte, fatiguée. Je suis. Voilà. Je pense que là, maintenant, je vais plus traîner à vous laisser. Je vais aller faire ma vaisselle, mettre la première machine en route et me reposer après. Voilà. Il y a du nettoyage à faire. Je vais peut-être juste balayer un petit peu. Tirer tout ce qui est plomion et tout bazar avec le gamin. Du coup, voilà. Et me reposer pour me soigner. Voilà. Et me moucher. Voilà.
Bon, je vais vous laisser parce que je vais me moucher. Voilà ma tête de fatiguée, regardez ça. Je vais vite me moucher et je vous laisse. Et je vous retrouve demain ou plus tard. Si j'ai le. Non, mais tantôt, je peux pas vous montrer. J'ai un colis qui va arriver aujourd'hui, mais je peux pas vous montrer parce que c'est pour mon ami qui a eu son anniversaire hier. Si tu vois cette vidéo, je te souhaite un joyeux anniversaire. Petite Mariette, voilà. Et voilà, logiquement, ça. Ce cadeau qui va arriver, je peux pas dire c'est quoi. Voilà, et ils sont toujours pas emballés non plus. Je suis fatiguée, j'ai rien foutu. Rien foutu. C'est pas grave. On va pas s'en faire. Tout va bien se passer. Logiquement, elle vient dimanche chercher ses cadeaux. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve plus tard dans cette vidéo. Enfin, ce vlog. Bonjour, monsieur le sage. Je reviens dans ce vlog. On est mardi 9 novembre. Voilà, je reviens dans ce vlog. Je vous prends tard. Il est 18h30. C'était pas prévu de base, mais ce matin, j'étais pas trop bien. J'avais la lumière de la télé dans mes lunettes, on m'ennuie. Du coup, voilà. Et attendez, ça m'embête. Enfin, soit je saurais pas faire. Il faut que j'éteins, mais j'attends mon film. Du coup, voilà. Enfin, soit. Et du coup, j'ai pas trop bien matin. J'ai fait ce que j'avais à faire aussi. Et puis j'ai mon papa qui m'a sonné et j'ai dû aller donner un coup de main. Et il devait aller chercher une colonne chez Brico Planète. Je crois que c'est comme ça le nom. Et du coup, je suis passée chez Cultura. Qui a dépensé ses sous? Ben bien sûr, bien sûr moi. J'ai pris 6 livres. J'étais raisonnable quand même. Du coup, j'ai commencé par. Enfin, je vais vous montrer des petits mangas. Je me suis pris le tome 4 et le tome 5 de la gameuse et son chat. Voilà. Je crois que j'ai lu 3 et 1, 2, 3. Il faut que je regarde si je suis bien sûre. Du coup, je me suis pris le tome 4 et 5. Comme ça, je serai remis en jour. Du coup, je vous ai pas parlé, mais en fait, on va suivre cette jeune femme qui va recueillir un petit chat. Et elle, c'est une joueuse de game. Une gameuse. Et elle va recueillir ce petit chat. Et ce petit chat va faire plein de petits trucs qu'il ne faut pas faire. Voilà. Du coup, je voudrais bien savoir la suite. Du coup, voilà. Après, je me suis. Ça, c'était prévu que je les prenne. Hop, je vais prendre mon sac. J'ai bien sûr un petit monstre qui est venu à côté de moi. Je me suis pris Charlie et je sais pas comment ça se dit. Mick, oh, je sais jamais. Voilà. Une nouvelle histoire de Astopper. Du coup, j'avais trop envie de me plonger dedans. C'était un petit livre, bien sûr. Bien sûr, je ne trompe pas. Avec des petits dessins. Enfin, voilà, c'est un petit. Voilà, du coup j'ai pris celui-ci et je me suis pris celui-là. Aussi, c'est l'hiver. L'autre c'était quoi? Non, c'est juste Charlie. Charlie et je ne sais plus comment. De chez Alison Haussmann. Voilà, je voulais absolument celui-là. Voilà, vous voyez, vous avez des petits dessins dedans. Trop mignon. Celui-là, je crois que c'est à peu près Noël dedans. Du coup, je pense que je vais peut-être me le faire pour Noël. C'est l'heure de revenir faire ensemble, d'être une famille parfaite. Une nouvelle histoire. Du coup, je ne sais pas si ça se lit dans quelle ordre. Il faudra que je me renseigne. Voilà. Et si c'est l'hiver et il a été difficile pour Tori, Charlie, Olive. En fait, on va suivre les personnages en l'extérieur aussi de ceux qu'on a déjà lu dans le Heartstopper, qu'on suit un petit peu dans le Heartstopper. Du coup, voilà. Alors, après, j'en ai pris deux autres de chez. Excusez-moi, mais je suis toujours malade. La coloc et son inconnue. Il est trop beau celui-là. De Lily Malone. Je connais pas Malone. De chez Addictif.
Du coup, voilà. Mais j'ai trouvé la couverture. Pour une fois qu'il n'est pas vraiment torse nu. Enfin, il est torse nu, mais on voit pas son torse, je veux dire. Vous allez voir ma télé qui bouge toutes les 2 minutes. Voilà, du coup, j'avais trop envie. Et si on va suivre Elodie, une indépendante, libre, et elle veut profiter de sa vie comme elle l'entend. Son dernier coup de tête, les vacances à la montagne avec sa meilleure amie, imprévu. Le chalet est déjà occupé par Luc et son pote. Et entre Elodie et Luc, c'est électrique dès la première seconde. Au programme, les vacances, conformation sensuelle et boule de neige. La guerre est déclarée. Tous les coups sont permis. Et si c'était le désir qui sortait vaincu? Voilà. Ça va se terminer comme ça, c'est sûr. Toujours comme ça que ça termine. Et aussi, toujours chez Addictive, je me suis pris. Celui-là, il est un peu plus grand, mais il est trop beau aussi, la couverture. Colocation, la maître du jeu, Addictive, de Anna Vandel. Vandel, je crois que ça c'est comme ça. Bon, l'image est rose, bien sûr. Okay. Je trouvais assez beau et elle est assez sexy. Du coup, on va suivre. À la demande de son père, gravement malade, Allison part sur le trace de son demi-frère caché. Elle le retrouve en Écosse, vivant dans un manoir tout aussi impossible, impensant que lui entoure un léger, terrifiant archiduc et imbuvable. Dominateur, ultra sexy et bien plus encore, mais tout attirance est aussi impossible que interdit. Alors qu'Alison calme ses ardeurs et essaye d'approuvoir sa coloc pour sauver son père d'une mort certaine. Entre manipulation, observe un produit, la famille ennemie se passe débridée, seul le temps et le désir décidément de leur sort. Voilà, il est trop beau. Vous allez voir le truc de la Star Academy, les 20 ans. Voilà, et il me tente beaucoup, beaucoup aussi. Et je vois qu'il y a plusieurs parties. Acte 2, la vérité. Voilà. Il me tente beaucoup, beaucoup. Il est assez gros rapport à l'autre. Enfin, l'autre, c'est un plus petit. Voilà. J'aime bien les addictifs. Voilà. J'avais regardé pour les trucs de Noël, mais j'en ai pas trouvé. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on nous a mis. On a dans le sac. Markel Brousseau, prix Goncourt 19-19. Voilà, je ne sais pas de quoi. On voit qu'il y a des petits articles dedans. Voilà, je ne sais pas. Je regarderai ça plus tard. Et je voulais aussi vous parler. Je n'arrive pas à me plonger dans ma lecture qui est Rose éternelle. Ça m'énerve la télé. Mais à mon film qui commence. Je suis à la page 56. J'avance pas du tout. Au chapitre 3, j'avance pas du tout. Mais. Voilà, il est trop beau, j'aimerais essayer d'avancer. Mais dans Tombe malade, c'est vrai que j'ai pas la concentration assez pour ce bouquin. Mais je vais essayer quand même de le continuer ce soir. Et si ça va pas, après je me ferai peut-être un manga ou deux pour essayer d'avancer dans mes lectures. Du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis vraiment pas dans mon assiette pour le moment. Voilà, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Enfin, je suis pris de le nez et la gorge. Enfin, je tousse beaucoup et je vais au médecin vendredi à 5h15. Du coup, on verra ce qu'il va me dire et ce qu'il va me donner pour calmer tout ça. Voilà, parce que je prends du sirop, mais ça ne se calme pas. J'ai fini bouteille et je me suis dit qu'il faut que j'arrête, parce qu'autrement, c'est moi qui vais me droguer et c'est pas bon non plus. Du coup, voilà, je vais aller voir s'il peut me préparer des petites gélules comme j'avais déjà eu.
que la toux veut pas partir et c'est fatigant. Du coup, voilà, j'ai plus rien à vous dire. Je reviendrai plus tard. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain dans ce vlog. Bye bye tout le monde. Bonjour, mes petits sols, je reviens dans ce vlog. On est le 10 novembre, on est mercredi. J'ai pas beaucoup de trucs à vous dire parce que voilà, pour le moment, c'est pas grand chose. Il se passe pas grand chose, mais je voulais quand même vous revenir sur ma lecture que j'avance pas du tout. Je suis à la page 72 dans Rose éternelle de Ophélie du chemin. Je n'arrive pas à avancer, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai un doute. Je vais voir tantôt ce soir si je continue ou si je prends un autre en attendant. Parce que là, je ne sais pas. Je sais pas où. Si je. Attendez. Me concentrer ou c'est parce que je suis pas trop bien et que j'ai pas trop la tête à ça. Je ne sais pas du tout. Et du coup, ça m'ennuie un petit peu. Je suis désolée, mais la lumière, elle est dégueulasse. Voilà, parce qu'il est déjà 4h30, enfin un peu plus de 4h30, et il fait pas très clair aujourd'hui. Du coup, voilà, je ne sais pas. J'ai aucune idée. J'ai du mal avec l'écriture parce que voilà, c'est pas dans mon registre de d'habitude. C'est quand même un peu de la fantaisie, je pense. Je pense que c'est un peu de la fantaisie. Voilà. Et du coup, je crois que j'ai un peu de mal avec la façon de la plume en fait, la façon de dire les mots, les choses. Voilà, c'est assez poétique pour moi, je trouve. Voilà, à part un livre, un petit roman qui passe tout seul, c'est moins poétique. Voilà, du coup, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment pas envie de l'abandonner, j'ai envie de continuer, mais voilà, il fait quand même plus de 500 pages. Et voilà. Et on est déjà le 10 et j'avance pas dans ma pile à lire, du coup voilà. Il me reste déjà plus que gros 2 semaines et j'ai encore toute la pile à lire. Voilà. Par contre, je sais pas si je vous ai parlé de la BD, enfin le manga que j'ai lu. Parce que j'ai lu un manga et ça dans ma pile à lire. Voilà. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je voulais vous parler de deux petites choses aussi. Il est trop beau. Golf Wall, je sais pas comment ça se dit. Et en plus avec mon rhume, voilà. Il est vraiment. Et avec la lumière, il donne pas trop. Mais il est trop beau. Peut-il vraiment repartir tout le cœur brisé? Voilà. Je l'ai pas encore. Il me tente beaucoup. Voilà. Il sortait aujourd'hui. Et celui-ci aussi. Voilà, je ne sais pas lire le nom. J'ai même pas dit ça, c'est chez Hugo. Et il y a celui-ci aussi. Voilà, je vous montre. Voilà, je vous en parlerai plus tard, mais là, j'ai vraiment pas envie. Avec la lumière, je sais pas trop lire. Parce que vous voyez, c'est rose, et du coup, je vois pas trop bien l'écriture. Voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait un truc spécial dedans, bien sûr, parce que je veux montrer. Je viens de passer une page. Regardez. Maintenant, j'espère que c'est mis en franc. Hein. Ouais, c'est traduit en français en bas. Du coup, ça va. J'ai vu qu'il y avait ça à plusieurs pages. Voilà. Mais il y a aussi un beau pavé. Je sais pas combien il fait. Oh, 500 pages. Je le voyais plus gros. 500 pages. Voilà. Voilà pour ça, j'ai rien d'autre à vous dire. Voilà. Je sais pas trop de trucs à dire aujourd'hui. Voilà. Non. Du coup, je n'ai rien à vous dire de plus. Voilà, je vais essayer de relire ça après. Mais j'ai quand même un doute. Et là, j'ai trop envie, c'est de lire ça. Je vous le montre. Ça. Du coup, je ne sais pas si je vais pas. Lire un ce soir. Voilà. Je me dis pourquoi pas. J'ai un doute, je sais pas. Peut-être. Ou alors je me. Bah c'est bon, c'est le 4. Ou je me lis ça. C'était trop mignon. J'avais bien aimé. Du coup, pourquoi pas me lire ça? Du coup, je sais pas. Je vais voir ça plus tard là. Parce que là, j'ai vraiment pas.
les idées à ça. Je vais chipoter un petit peu, aller voir sur YouTube ce qui se passe, parce qu'il y avait une vidéo aujourd'hui qui était mise en ligne, que je vous ai pas dit sur Insta. Il faudra que je le dise. C'est vrai que même pour Insta, pour le moment, je suis pas trop là. Mais attends, à chaque fois que je fais quelque chose, je tousse à mort. Du coup, j'espère que le docteur va savoir trouver une solution. Voilà. Il faut que j'attende encore 2 jours. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Du coup, je vais vous laisser et je vous reprendrai demain. Voilà. Et demain, c'est jour férié. Du coup, monsieur est là et j'aurai encore moins à dire parce qu'il sera là. Ou je vais peut-être lire plus, je sais pas. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à demain. Pour vous, à tantôt, et pour moi, à demain. Bonjour mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog, on est vendredi 12 novembre. Je viens pour conclure le vlog et maintenant de vous parler. C'est pas un vlog qui aura beaucoup d'intérêt, mais voilà. Du coup, j'étais pour vous dire que j'étais occupée à lire Rose Éternelle, que j'ai abandonné un petit peu hier parce que je n'arrive pas à avancer. Je suis à 72. Pour le moment, je n'arrive pas à me concentrer. Du coup, c'est à des temps pas bien, comme vous pouvez l'entendre. J'ai un gros rhume. Je vais au médecin ce soir. Du coup, on verra ce qu'il va me dire. Du coup, je vais arrêter là aujourd'hui. Je suis à la page 72. Enfin, hier soir, j'ai arrêté et je me suis dit j'allais essayer de lire autre chose pour voir si c'est vraiment... parce qu'en fait, j'ai vraiment des petits trucs qui me... C'est pas qui me gêne, ça me gêne un peu, c'est la façon de parler. C'est plus poétique et c'est de la fantaisie. Du coup, voilà, j'ai un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire là maintenant. J'ai vraiment pas un truc il faut que je me casse la tête à réfléchir. Ah oui, ce personnage, c'est l'un tel. Du coup, je me dis non, on va pas faire ça. Et je me dis, c'est pas grave, je reprendrai plus tard. Là, ça ne passe pas. C'est pas grave, il passera plus tard. Du coup, hier soir, je me dis, je vais prendre une petite romance. Et comme j'ai entendu que beaucoup, que cette romance, il y avait beaucoup de pages où il y avait du texte écrit en... message, je me dis qu'il passerait plus vite et c'est le cas. Du coup, j'ai sorti un Mysterious Air de Alexandra Drew, chez Hugo. J'ai bien avancé. Je suis au chapitre 7, aux pages 49. Du coup, voilà, j'ai bien avancé. J'aime beaucoup pour le moment. Je ne vais pas vous parler beaucoup. Bon, on va suivre la jeune femme qui va s'inscrire sur Mystique. Voilà. Et je voudrais bien en savoir plus. Je pense que je lirai ça plus ce soir. Parce que là, je voudrais bien faire le montage de cette vidéo. Et maintenant, dans une heure, j'ai le docteur. J'ai rendez-vous au médecin. Du coup, voilà. Du coup, je vais laisser celui-là un peu de côté et je vais lire celui-là et je reprendrai celui-là quand j'irai beaucoup mieux et que j'aurai plus l'état à me concentrer, voilà, quand ça me permettra. Du coup, voilà, par ça, rien d'autre. J'ai reçu le petit colis que je vais ouvrir ça peut-être après ou demain, je sais pas. Peut-être demain après-midi, je ne sais pas, je verrai. Parce que là, je suis pas... À la longue de tousser, je commence à avoir mal à la tête. Du coup, et je vais très profond. Je suis irritée, j'en le sens. Je suis irritée dans la gorge. Je suis bien irritée, du coup, voilà. Sur ce, voilà. Et du coup, j'ai rien d'autre à vous dire. Et du coup, je vais vous laisser là. Je vais conclure ce vlog. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et de me mettre des petits commentaires. Ça sera avec plaisir. Et c'est gratuit surtout. Voilà. Et je vous retrouve dans un prochain vlog ou vidéo. Je ne sais pas. Que pour le moment, c'est pas mon état enfin, pas trop bien. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas si je ferai un autre truc pour le moment. Mais on se retrouve bientôt. Je vous fais des gros bisous.